Salut les chouilles. Samedi 16, il est 2h11, on rentre de Poitiers. On va faire une petite toilette, puis 3h45, on prend le bus direction Disneyland Paris. Donc on a 7 heures de route avec pause. Et on va aller directement là-bas, après on pose les affaires et puis première journée au parc. Donc on va voir ce que ça donne. Allez hop, je vous emmène. Travel on, there's one day here and the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside every darkened door where blues won't haunt you anymore. Where the brave are free and lovers soar. Come ride with me to the distant shore. We won't hesitate to break down a garden gate. There's not much time left today. Donc on est arrivé, on a pris nos billets, ça a été assez rapide, navette, et là on est rentré dans le parc. On commence par la partie studio Disney, qui est plutôt pour l'instant sympathique. Allez, let's go. Oh ouais, ça commence bien, ça se vide. C'est pété. Bon bah première attraction, 35 minutes d'attente et c'est pété. Du coup, invité à évacuer. On va aller en tester une autre, hein. Pas vraiment le choix. Allez, on continue. Là on part sur Avenger, mais vu que tout le monde décale sur Avenger, je pense que ça va être à peu près la même problématique. Ça va être bien quand même, hein. Il fait beau au moins. Regardez-moi ce beau soleil. Allez, let's go. Donc après 2 heures dans le parc, on a enfin fait la première attraction, Avenger derrière. Un roller coaster que du coup je ne connaissais pas du tout. On a trouvé la technique single user, c'est-à-dire que bon on était à 2 crans d'écart mais bon on s'en fout quoi. Donc on est passé en 5 minutes. Et puis le truc est vraiment pas mal. Je pense que la fatigue fait que j'ai pas trop peur des accélérations. Donc voilà. Mais c'était bien cool. Oh, on va se le garder en tête. Allez, on continue. Salut à tous les lichouilles. Alors là, comme vous pouvez voir, il y avait un truc, on était parti pour le faire et puis ben, j'ai laissé tomber parce que le premier ça va, mais ça monte de plus en plus et moi je fais pas ce genre de choses. Donc Thomas est parti tout seul. Allez, à plus.
relis les chouilles. Bon, du coup, côté Disney cinéma, on a réussi à faire Avenger, on a réussi à faire Nemo, qui est pas mal, à visiter Toy Story. Donc la technique du single user est parfaite pour deux mecs célibataires qui veulent juste passer vite. T'as rien à foutre d'être à côté, hein. Bref. Du coup, on a réussi à en faire 3 alors qu'on a passé 1h30 à en faire 0. Et là, on vient de décaler côté côté Disney, Disney Park connu, quoi. Il y a le beau château. Et on a restaurant, le Plaza Garden. Donc ça devrait être pas trop mal, petit buffet à volonté. Compris dans le billet, donc impec. Là, on a encore 20 minutes à attendre parce qu'évidemment, on est en avance, mais ça va être cool. Allez, on va bouffer parce que là, il y a faim. Relais Lichouille. Du coup, on sort de Star Tour. Alors, Star Wars, c'est vieux, une belle attraction aussi. Et c'est gerbatif au possible. C'est-à-dire qu'on est secoué dans une machine avec... C'est vraiment très spécial. Et moi, comme qui n'a rien à faire de l'univers Star Wars, pas ouf. Ah, bref, on continue. Il est 16h30. Je pense qu'on va faire un tour à l'hôtel et puis... peut-être revenir pour les spectacles. Allez, on continue. Wild Ave. Mais ma parole, en fait, il est éclaté au sol. Beau de loin, loin d'être beau. J'aime pas ça! J'aime pas ça! J'aime pas ça, putain! Oh les lichouilles. Ah bah ouais, on était 18h, jour 1. On vient de faire Pierre des Caraïbes qui était gros, calme, tranquille, joli. Et on a fait Indiana Jones qui est vraiment sympa à faire, même moi qui ai peur, ça a été. Bon, vous avez vu, j'ai un petit peu crié, mais ça, c'était pour le fait. Et ouais, là, donc on continue à se balader. On va essayer de faire le Space Mountain, enfin le truc qui s'est transformé en Star Wars quand ils ont eu les droits de chez Star Wars. Mais voilà. Et puis après, retour à l'hôtel.
Mais je vais crier moi sur la photo. Ah, ah non, merci. Salut à tous les lichouis, il est un peu avant 22h, il croit sa mère. On essaye de rester debout jusqu'au moins le spectacle pyrotechnique du château. Et après on va aller rentrer parce que bon, on est quand même debout depuis vendredi 5h50. Et là il est samedi 22h. J'ai dormi 2h sur une banquette arrière de bus. Mais bon, c'est ce qu'il faut hein. Profitons de la vie tant qu'on peut le faire. Allez, on va voir ce que ça donne ce petit spectacle. Petit geste pour la place. Oui. On part en débrief à très chaud en sortie du spectacle. Alors déjà en termes d'éclairage, projection, à Poitiers ils font mieux avec Notre-Dame. C'est-à-dire que il y a vraiment une bonne portion du truc où ils projettent des bouts de film sur un écran qui est en fait un château. Donc c'est dégueulasse, tu ne vois rien, il y a de la profondeur qui marche pas quoi. Bon bref. Ça va. Il y a un deuxième truc, c'est qu'il te mélange du français et de l'anglais dans les mêmes musiques. C'est imbitable. Et après, je sais pas pourquoi ils ont mis autant Peter Pan. Et surtout, on est à Disney et il y a même pas eu Mickey sur tout le spectacle. Donc vraiment, c'est pas à jour quoi. Après, il y a des trucs cool, hein.
Mais bon, peut-être que j'ai 25 ans et que j'en ai rien à foutre de Disney aussi. Bon bref, c'est quand même bien cool. Allez, à plus. Salut à tous les Michouilles, jour 2 du coup. On a plutôt bien dormi dans la chambre d'hôtel, mais bon, les jambes sont quand même lourdes, très lourdes. Bon, aujourd'hui on a un petit déj, et après on retourne au parc. Et on va faire les... je crois qu'il y a 9 attractions qu'on n'a pas faites. Donc on devrait être nickel niveau timing. Et retour au bus pour 17h30 ce soir, et après on rentre. Et on arrive à 1h40 lundi matin et à 7h30, il faut que je sois au taf. Ça va être court comme nickel. Allez, let's go! Ah, des cailloux. Namasté. Relais Lichouille. Bon du coup, on a fait Peter Pan avec 1h30 de queue pour 2 minutes. C'était pas ouf. Et il vient de faire The Small World, le fameux... Ben, je comprends pourquoi c'est très désagréable. Parce qu'il y a à peu près 14 langues différentes en même temps dans vos oreilles. Ça pourrait être utilisé comme torture à Guantanamo. Mais bon, au moins, on l'a fait. Et puis là, on a 2-3 autres trucs à faire, ça va être tranquille. Et je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui et pour ce week-end. Allez, en profite, il fait encore beau. Ciao.
chouille. Bon, bah, fin du week-end. Alors, le parc Disney, c'est bien. Hors période de Noël, ça doit être vraiment pourri à mourir. Mais bon, là, c'était cool. Petit week-end, tranquille, à visiter, à prendre le soleil. Temps parfait. Attraction, bon, je commence à m'y faire de plus en plus, ce truc qui gigote dans tous les sens. Donc, c'était plutôt cool. Encore une fois, merci le CSE.